Bon, évidemment, on va dire bonjour à YouTube, hein. Bonjour YouTube, hein, ça va. On est là pour du Pokémon X Nuzlocke aléatoire. Normalement, je vais tout expliquer de ce que c'est dans la description que personne ne lit. Et puis voilà, on va commencer. Oui. Enfin. Alors, du coup, hein, on est en Nuzlocke aléatoire. Du coup, Nuzlocke qui dit oh, on va perdre tout le temps. Et aléatoire qui dit que je vais me faire douiller le cul. Bon. Donc, je mets une règle directement ici. Alors évidemment, les Pokémon meurent dès la fois où ils sont KO. Ça, c'est une certitude. Sauf pour le premier combat. Le premier combat, on fait genre ça n'existe pas. On fait genre c'est... fais ce que tu veux. Et bonsoir Dalek. Parce que on va pas se mentir que... bon. Du coup, Dalek, vas-y, vote. Parce que du coup, il y a un vote pour savoir est-ce que je prends un garçon ou une fille. Même si le chat, bon, là, il est... Ah, il y a quand même deux votes pour les filles, quand même, incroyable. Incroyable. Mais je crois qu'on va prendre garçon, hein. Je crois qu'il n'y a pas trop de... On sort Kuro. Ah, Kuro. Est-ce que Kuro peut rétablir la balance cosmique? On ne sait pas, on ne sait pas. Je vais attendre. Alors, bonsoir Jack. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vais relancer l'Ostropole maintenant que le monde arrive. Donc là, on part sur du garçon. On part sur du garçon. On part sur du garçon. Hein, 70% de vote pour le garçon. Évidemment, le patriarcat a gagné, évidemment. Satané patriarcat. Ah oui, je suis plutôt comment? Oh. Dommage, j'ai pas rouge et crevisse. Parce que niveau coup de soleil, je suis pas mal. Mais bon. Non, on va prendre... On va prendre le brun. Hein. On va prendre le brun, c'est ok. Pas de son. Ah. Du coup... Ah oui, ce qui est bien, c'est que du coup, c'est tactile, ça. C'est tactile. Ah, par contre, les bruits à chaque fois, pif, paf, pouf, pif, c'est chiant. Hein. Yes, oui, El Queso. Bonsoir. Et ouais, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Pas le choix, des fois. Non, si, j'ai juste envie. Yes, oui, El Queso. Bonsoir. Merci, Jacques, de tes jeux de mots. J'en aurais besoin pour les noms des Pokémon. Route direction le monde des Pokémon, merci Platane. Bonsoir Glorion. Bonsoir, bonsoir. Alors aussi du coup, petite question, parce qu'il y a trois starters. Les trois starters sont aléatoires. Est-ce que du coup, je fais un D3 pour mettre aléatoire le truc? Ou alors je voulais choisir le Pokémon? La question se pose. La question est là. Fait du bien de jouer à ce jeu quand même, hein, parce que bon, après Soleil et Lune, bon... Je vais renflammer la tension avec Radaka. Bonsoir. Team D3. Moi bon, ça me va, hein, ouais, pas de soucis, hein, je peux faire ça. Hein. Le pif. Donc j'ai préparé l'Astropole pour rien. J'ai fait la préparation pour rien. Non, je code. Allons-y. Et voilà, Radaka, voilà, bonsoir. Alors, Mira, tu prends ton... tu prends tes trois propositions. Tu les gardes un petit coin de... Ouais. Parce que t'es pas loin, il y a un truc où t'es pas loin quand même, hein. Enfin, je crois. Après, je crois, je peux me tromper, mais je crois pas. Bonjour les filles, ça va? Oui, ça va. S'en bat les couilles. Bonsoir. Alors... Peut-être. Mais du coup, si on fait aléatoire, on fait aléatoire, hein, par contre. Hein. Ah, Bourg Croquis, putain, j'avais oublié le nom. Incroyable.
Incroyable. Bonjour les rhinos. Bon, ils s'en foutent pas des couilles. Bon, on pourrait parler à tout le monde, mais en fait, bon. Ouais, pareil. Mais oui, il y a 5 connards qui vont faire chier pendant tout le temps. C'est incroyable. Mais du coup, on va rigoler un peu avec eux, du coup. Ouais, faisons connaissance. Comme si j'avais le choix. Ah, c'est pas con, le D3 maintenant. Je lance le D3 maintenant, moi je sais le résultat et vous, vous savez pas. Parfait. Bravo, Kuro. Alors du coup, moi, je saurai le résultat et je saurai... et je saurai tout ça. Incroyable. Un dé... Voilà. Ok. Je lance le dé. Ouais, faisons connaissance. Ouais, ouais. Comme si je pouvais pas me présenter, en fait. Ouais, ouais. Trovano, nom de merde, ouais. Ouais, ouais, ouais. Des surnoms. Petit E, ouais, nique-toi. Oui, ouais, 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 ouais. Sur E, ouais. Non, mais si vous voulez m'appeler... Si vous voulez me un surnom, écoutez. Écoutez. Si vous voulez un surnom, appelez-moi juste Maître. Voilà, c'est tout. Appelez-moi juste Maître. Il peut te pute s'enculer, effectivement. Si vous avez pas comme ça, bah, ayez confiance en moi, c'est tout. Voilà, ayez confiance en moi, c'est tout. Voilà. C'est tout. Donc oui, appelez-moi maître. Je serai votre maître. Ne cherchez pas à m'appeler autrement, c'est tout. Voilà. Ouais, ouais, c'est super. Ego sur 20, tout à fait. Voilà les 3 Pokémon qu'on a. On a un Hirondelle, un Gear, je sais pas quoi, un Gigir, je sais pas quoi. Et un Pifeuille. Moi, je trouve un truc que je trouve ouf, c'est que du coup, il y a les représentations 3D des Pokémon en fait. Ça s'appelle Tic ? Ouais, c'est pareil. C'est pas grave, c'est ok. Salut Eric. Matt te l'avait dit. Ouais, c'est ça, le Granipod que t'avais dit, Mira. Et donc, du coup, je vais vous montrer hein, ce que j'ai, du coup. Que je n'ai pas changé, évidemment. Je vous montre ça tout de suite. Normalement, là, je peux vous montrer ça. Incroyable. J'ai un 3. Donc, voilà. Alors, soit on prend Pifeuille. Soit on fait aléatoire. Et après, vous avez dit, go faire ça... Bah 3, 1, 2, 3, Hirondelle 1, Tic 2, et puis feuille 3. Alors Jack, oui du coup il a pas le son, mais du coup les stats et les attaques sont aléatoires. Du coup on a un truc, mais voilà quoi. Alors jamais vous n'aurez vu feuille, jamais. Bon bah allons sur Pifeuille hein, du coup hein. Pifeuille, ah, on peut voir les types. Donc les types O. Ah non, c'est juste que c'est... Non, c'est juste que non. C'est juste que c'est les types d'avant. Pifeuille. Allons-y. Oui, je prends Pifeuille. J'ai reçu un Pifeuille. Yeah! Je pensais jamais que j'allais avoir ce Pokémon, en vrai. Moi, je pensais que vous allez choisir le Pokémon et jamais... voilà. Alors oui, il faut que je donne un surnom, mais donnez quoi un surnom? C'est pas le type qu'il est. C'est une femelle, déjà. Déjà, le patriarcat est rééquilibré, parce que du coup, j'ai une femelle. Mais... C'est vrai. Ça aurait été honteux de... d'aller contre cette proposition. Je
J'ai pas de surnom, parce que normalement je fais un surnom avec le nom du truc et avec le type. Non, on a même pas le type. Oui, non, pas non sexiste, évidemment, hein. Évidemment. Ma grenousse, mais pourquoi pas. Alors, je sais pas si les stats sont aléatoires. Ça, je sais pas du tout si les stats sont aléatoires, mais bon, voilà. En vrai, Pifeuille, c'est déjà bien comme nom, Pifeuille, mais... T'as vu qu'on a pas le type, ça me dérange un peu de pas avoir son type. Non, on peut l'appeler PQ. Effectivement. Mais alors, on l'appelle PQ, mais... Les yeux. Ah, y a pas de si. Voilà, on l'appelle PQ. Oh, salut Gatosaur, bonsoir. Ouais, Pifeuille, néné. Mmh. Bon, on va pas appeler PQ, on va pas lui donner ce truc là, quoi. Ouais, Pifeuille, nez yeux. Enfin. Mais non, Pifeuille, ou alors nez. Ou juste néné. Ah, je sais pas. Nez arbre. Ah, pourquoi pas. Je suis pour nez arbre. Pinochet. Non, je suis pas sûr pour Pinochet, quoi. Nez arbre. Moi, ça me va, nez arbre. Hein. Oh, je ressens des vibrations de ah, merde. On a pas ça. Il s'agit de... Maracas. Merde, on a loupé, qu'est-ce qui se passe? Avec Glorion. Oui, bah oui, s'il y a un truc à... Oui, à bien, oui, évidemment. Évidemment. Merci, Glorion, pour les 10. Maracas. Ah, j'avoue que du coup, Maracas. Du coup, Maracas. Bon, allez, Maracas, quoi. Tous les Pokémon de Maracas. Non, juste lui, juste Maracas. C'est le mot qui vient de l'au-delà, c'est Maracas. Oui, Maras, oui. Connard. Maracas. Merci Eglorion pour ta divine intervention. Maracas. Oui. Donc elle prend Fennec, mais elle n'aura pas Fennec. Et elle, elle prend Marisson, mais elle n'aura pas Marisson. Hein, donc c'est ok. Eh ouais, tu influes avec l'argent, incroyable. Merde, j'ai oublié ça. Yes, le Pokédex qu'on remplira jamais parce que tous les Pokémon ne sont pas dedans. Ouais, mais ils sont plus importantes, ouais. Pouette. Pouette. Ouais, je vais remettre la lettre à ma maman, ouais, j'ai ça à foutre, ouais, d'accord, super. Allons-y. Maître, attends. Oui, qu'y a-t-il, jeune gueuse? Ouais. Alors, c'est ce truc-là, c'est que ce premier peut être compliqué, ce combat. Changer Sana. Ah ouais, t'es plus petite. Ah oui, Colombo du coup, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme Pokémon du coup? Qu'est-ce qu'on a? Il est Spectre. Monte la précision des Pokémon de l'équipe. D'accord.
Et j'ai pistolet à eau, bout de feu et synthèse. Incroyable, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, quoique synthèse c'est un peu nerfé vu que je suis sur la nuit. Mais en vrai ça passe, c'est ok. T'es pas faire bout de feu. Il fait éboulement, ça va. Ouais mais voilà. En plus j'ai la trouille. C'est pour ça que je disais que ce premier combat ne peut ne pas être voilà, hein. Bon, hein. Voilà. Ce que j'ai dit au début, hein, ce premier combat on compte pas, hein. Parce que vraiment ça a chié. J'ai aucun contrôle là-dessus, donc nul. Nul, donc bon, merde. Voilà. Bonjour à ta mère. Elle vient de m'écraser, elle me dit ça, quoi, super. J'avoue. Maracas. En plus, Maracas, c'est un son qui vient de l'au-delà, c'est un spectre. Je ressens. Incroyable. De l'au-delà. Le monde. Merci d'avoir regardé. Au revoir, YouTube, merci. Maracas, il est mort, il nous parle en spectre. Après, c'est un peu du lore du coup, parce qu'il est mort, mais il est toujours là, du coup, c'est un spectre. Donc voilà, donc c'est ok. Alors, spoiler, j'ai essayé le jeu du coup. Enfin, j'avais essayé le jeu un peu pour essayer, pour voir si ça marchait. Et avec Nirondelle, je me faisais one shot avec le Pokémon adverse. C'est que j'avais rien du tout. Je pouvais rien faire. Autant là, je pouvais faire des trucs, mais bon, j'ai pas eu de bol, j'ai eu peur. Super. Mais ouais. Ah, et niveau stats, du coup, ça donne quoi? D'accord, il est neutre. Bon, par contre, il a une nature qui affaiblit l'attaque spéciale. Ça va bien avec pistolet à eau. Du coup, bout de feu, c'est physique, ça, du coup. Ouais, c'est ça. Mais en fait, Matt a modifié la version pour que les Pokémon d'intérieur soient random. Mais il y a... c'est comme le jeu, si tu commences une nouvelle partie, c'est toujours les mêmes Pokémon, quoi. Ouais, c'est une seed, c'est exactement ça, quoi. Allons-y. Après, est-ce qu'ils ont pas des objets à me donner? Parce que normalement, c'est ce qu'on doit faire ça, normalement, quoi. Ouais, bah, sauf que je peux pas, là. C'est compliqué. Ouais, moi aussi je vais aller, ouais, super. Ouais. Parce que normalement, ils ont toujours des objets à faire, quoi, du coup, bon, enfin, peut-être pas au début. Ouais, bon. Peut-être pas intéressant de faire ça tout de suite. Vers dans les prochaines villes, tout ça. Ouais. Et du coup, Nirondelle était aussi de type glace aussi. Voilà, truc que je sais maintenant. Nirondelle type glace, voilà. Démerdez-vous avec. Putain, Carlis, je m'en rappelle pas du tout des noms des patelins d'ici, quoi. Incroyable. J'ai pas acheté des Pokéballs ici? Est-ce que j'ai des sous? D'accord, ferme là. Enfin, si je peux pas acheter après. Eh, hey, gamin, arrête. Ouais. Parce que je rappelle que j'étais assez triste, hein, la première fois que j'ai fait tout ça, hein. J'achète. Oh, Pokéball. De toute façon, on va en avoir après, donc c'est ok. Bah
Bon. Qu'est-ce que t'as? Premier sauvage, je suis tombé dessus, mais t'as pas. Oui, bah oui, calme-toi, chute. Ah oui, dispo dans bol, oui, bah tant pis. Ah! 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 On va se taper un roux cool. Chez! Ouh, dangereux. Ah, c'est super efficace, ça, merde. Putain, on se tape un roux cool, merde! Attends, faut qu'il vive après encore le Roku là. Roku est drabé, super. Ah c'est vrai qu'on gagne du XP quand on capture des Pokémon, trop bien. Ça a commencé là. Insecte sol. En vrai, pas mal. Donc un insecte sol qui vole. Recoupe si Freddy, oh mon dieu. Oh, j'ai pas trop envie de donner ce nom là, j'avoue. Est-ce qu'il y a un insecte piaf quelque part dans le nom? Ah ouais, c'est vrai, c'est Ningal, c'est vrai. C'est vrai, première attaque glace. C'est vrai. En plus, ça peut arriver n'importe quoi. Munja. Mais il meurt pas, Munja, justement. Il résiste. Insecte sol. J'ai pas d'idée de nom, on fait chier. Ah, vous êtes 14 sur le stream. Mais qu'est-ce que vous faites là? Incroyable. Ah, c'est bien, en plus vous voyez bien un écran blanc nul. Merde. Mais Mudja, il est pas spectre, du coup. Il passe pas spectre en... Bref. Oh ça. Ah, un petit kiwi. Ah ouais. Non, non, pas si Freddy, je ne peux pas faire ça. En plus, ce mec est immonde en plus. Non, je veux pas rendre hommage à lui, quoi. Pierre fantôme. Mais il est insecte... Insecte... Ah, carte kiwi. Twitter. Hein? Après le kiwi, me disait bien quoi. En plus c'est mignon un petit kiwi. Un petit kiwi. Juste un kiwi. Moi juste kiwi. Il est insecte sol. Donc pas vraiment un piaf quoi. Kiwi, qu'est-ce que t'as? T'as que 8 attaques. Force sol, augmente l'attaque spéciale, mais baisse les PV au soleil. Mais quelle merde! Mais au soleil quand? Quand il y a zénith? Ou quand il fait juste jour? Parce que... Parce que bon, il fait nuit quand on va jouer, donc bon, là-dessus, ok. Mais nature, ok, j'avoue. Sous zénith? Ouais, bon, ça va. Est-ce qu'on peut soigner les Pokémon? Non, à vrai dire, je suis deg. J'ai vu les Pokémon qui y a dans cette route, je suis deg de tomber sur un Roukoul. Mais je suis presque sûr que le Roukoul est... Oh! Ah non, il y a rien, il y a juste rien. Je pense que sûr que le Roukoul est...
et trucs. Ouais, mais non, mais... Soigner les Pokémon, quoi. Que l'autre en face, vous voulez pas me soigner les Pokémon au bout d'un moment, non? Ah, voilà. C'est ok. Nye, c'est du mal. Nye. Oui, des fois, l'émulateur, il aura des petites baisses de FPS, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Cool, insecte sol. Insecte sol. Oui, je viens d'en capturer hein, les filles. Hein. Enfin, les filles. La fille et Sana qui est une team flair. Un sapro. Passe rouge, bonsoir. Qui attaque Darvenant ou danse folle. Mais qui fait charge. Non, Kyurokul et oh, j'ai pas le mot. Que le premier, premier Pokémon que tu rencontres dans ces hautes airs, c'est forcément un Rukul. J'ai l'impression que c'est fixe. J'ai pas le mot. Il est fixe, il est on est obligé de le rencontrer. Je suis presque sûr. Scripté, c'est ça. Exactement. C'est scripté. Est-ce que du coup un Pokémon scripté, je suis obligé de le prendre? Normalement oui, je suis obligé de le prendre, mais bon. Les Pokémon qui y a après, ça me fait chier quoi. Pas se mentir. Ah si si, je cherche hein. J'essaie de gratter à tous les coups, moi je m'en fous hein. J'ai aucun respect hein. Parce que là vous allez voir ce que je vais avoir. Bon, c'est pas ce que je pensais, mais ça aurait été cool aussi, quoi. On aurait été une team fleur. Ça aurait été sympa. Bon, on va éviter bout de feu, hein. On sait jamais. Ah. Écho critique. Tempête florale. Oh, le Floette à turbo, mais quel connard. Mais j'ai pas envie de faire bout de feu. Ah. Non mais je vais y aller pistolet à eau, je m'en bats les couilles. Ah mais il fait pistolet à eau aussi mais... Oui, dégâts dans le Nuzlocke, oui c'est de la merde, c'est exactement ça. Je vais me soigner. Ah putain, ça va être long les combats de Pokémon sauvages. Ouais. En plus, je suis sûr qu'il est plante en plus, ton foiré. Il craint pas l'eau. Je soigne, j'en ai rien à foutre. Ça va être long, mais j'en ai rien à foutre. Je prends aucun risque. Voilà. Ah, ce genre de risque là, non. Parce que bon, je mets Rukul derrière, insecte sol. Bah, pistolet à eau et truc floral. Au revoir. Non, vous êtes de cul.
Le combat contre un... contre un Floette niveau 3 est dur. Voilà. Je pose ça là. Coup critique, mais qu'enfoiré! Bon là, soit je meurs, soit soit il meurt. Et je vais mourir, évidemment. Je te déteste. Mais non, mais je vais mourir avec Kiwi, là! Non, j'ai vive attaque! La vive attaque! Déjà compliqué. Ah bah on est bien parti. Voilà, voilà, voilà. Mais non, je vais même pas le poser, je peux rien faire avec du coup. Bon, Floette, on va éviter du coup. Quoique ça dépend, parce que bon, il attaque normal, bon, voilà. Ah bon. Mais non, mais si ça passe pas, on recommence et on fait avec un autre Pokémon et puis on verra bien. Bon, on aura Kiwi toujours en premier, mais c'est pas grave. Mais je vais juste mourir. Je peux juste pas passer en fait. J'ai des potions, quelque chose. J'avais des potions, je suis deg. J'avais une potion, je suis deg. Ah ouais, j'ai chopé Pokémon de la forêt, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh non, gamin! Ah, je sauvegarde, mais ça sert à rien, c'est trop tard de toute façon maintenant. Oh non, tu dis-moi que tu veux pas faire un combat. Eh ben c'est parti pour Jules la fillette. Eh ben Jules le fillette, pardon. Pardon. Ah donc. Ouais. Ouais. Bah bec vrille, je suis insecte hein, donc bon, on va pas se mentir. Salut hein, au revoir hein. Ça va le Pokémon hein. Bon, du coup, j'ai une question à vous, viewer. Est-ce que, du coup, je recommence une partie et on recommence avec un autre Pokémon, enfin, avec un autre starter? Ou alors, vous me laissez une deuxième chance avec les deux Pokémon que j'ai? Parce qu'on va pas se mentir que, du coup, si le Rukul est scripté, du coup, j'aurai un Pokémon moins fort et Rukul. Du coup, le Manganon, bon, c'est compliqué, on va pas se mentir. Il y a Ralaka qui est magnanime, j'avoue, c'est beau. Exactement. Ah mais j'ai toujours affronté le Manganon, mais on va... mais on va un peu s'entraîner un peu contre les Floettes qui nous touchotent. Voilà, bon.
Puis on utilisera un peu bout de feu, quoi. On va essayer contre les fléouettes. Ça peut être pas mal. Surtout, ouais. Ah. J'avoue que c'est pas mal. Juste voir ça. Juste voir ça, ça me fait du bien. J'ai tué un Pokémon. Juste voir les Floettes. Juste si je peux les. Ouais, il y avait ce genre de Pokémon aussi qui était capturable dans ce truc-là. Donc, tomber au carreau cool, ça me fait un peu chier. Faut pas se mentir. C'est Métadodo, Métadodo. T'inquiète pas, j'ai perdu, on recommence. Bon, deuxième Pokémon on fait. Bah allez. Maracas. Adieu Maracas. Tu seras toujours dans nos cœurs. Du coup, YouTube, et ben on se retrouve pour une prochaine vidéo, hein, n'est-ce pas? À plus tard, YouTube. Hein. On se retrouve bientôt, hein, t'inquiète pas. T'inquiète pas.